bien le bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes nouveaux projets et les futures évolutions de la chaîne. Tout d'abord, je tiens à dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont follow la chaîne sur Twitch et Twitter. Merci pour le soutien apporté, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous les gars, vous êtes presque 3500 sur Twitch et 700, même plus de 700 je crois, 760 sur Twitter, donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en live sur Twitch uniquement, tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo, voilà. J'avais fait une vidéo déjà pour annoncer mon passage sur Twitch, mais j'ai eu l'impression que tout le monde n'avait pas compris que je faisais des lives uniquement sur Twitch, donc si vous voulez me retrouver, voilà, c'est sur Twitch. Ensuite, pour ceux qui me suivent depuis un moment et pour les nouveaux, je vais vous expliquer pourquoi le contenu de ma chaîne va changer, en quoi il va changer, et quelles sont mes nouvelles motivations vis-à-vis du stream et de YouTube. Alors, vous savez que je suis un gros joueur de FPS, TPS. J'ai débuté sur CSGO, j'ai atteint le rang de Global Elite en 600 heures de jeu, grosso modo. Et cela fait maintenant un an que je suis Global Elite. Ensuite, sur vos conseils, j'ai débuté H1Z1, début 2017. Ce jeu m'a énormément plu et en 500 heures de jeu, j'ai atteint à peu près le niveau top Europe, Royalty 1. J'étais dans le top, top 200, top 150 même, j'ai fait... Mais j'ai jamais vraiment, malgré les performances, j'ai jamais vraiment... chercher à jouer en mode tryhard, en mode 100% investi sur un jeu. Vous le savez, malgré les performances réalisées, je joue à ces jeux avant tout pour le fun et pour le plaisir. Puisqu'à côté, je joue à Rocket League, à League of Legends, Overwatch, Minecraft et j'en passe. Maintenant, vous devez vous demander du coup pourquoi je vous dis tout cela. Pour vous répondre simplement, c'est que tout ce à quoi je vous ai habitué jusqu'à présent, ça va changer. En effet, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé du temps à chercher vraiment ce qui allait me motiver à 200% pour me donner à fond dans une aventure. Je me suis dit, quitte à tenter quelque chose, autant le faire à fond et faire ce qui me fait vibrer à fond. Et j'ai décidé de me consacrer 100% de mon temps à PlayerUnknown's Battleground. Je vais m'entraîner dur, je vais essayer de rejoindre ou de créer une équipe e-sport sur ce jeu. Parce que voilà, j'ai regardé quelques tournois, j'ai commencé à assimiler différents aspects et concepts de ce dernier, de ce jeu, de Battleground. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai réellement l'envie de tenter une aventure e-sport sur un jeu vidéo. Donc j'ai donc me donner à fond, je vous invite à venir me suivre et à me soutenir en live donc sur Twitch si vous voulez suivre mon entraînement et mon évolution. Donc voilà, voilà, plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses, j'espère que ça va marcher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette aventure, je vais me donner à fond. Si vous avez des contacts ou des joueurs, si vous avez des propositions d'équipe, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez également m'envoyer des emails. N'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux Twitter et sur pour les lives sur Twitch. Voilà, voilà, mes journées de live, vous les retrouvez sur mon site internet, sur la page, sur l'onglet programmation. Le lien, tous les liens sont en description. Vous allez sur mon site internet, vous allez dans la programmation, vous voyez quand est-ce que je suis en live, quel jour. Ça m'arrive souvent de commencer les lives plus tôt que prévu, plutôt en début d'après-midi plutôt qu'à 17h. Et je peux aussi les terminer plus tard que prévu. Donc énormément de PUBG. Sur la chaîne, ce qui va arriver, c'est des tutoriels, des guides, des gameplays, des best-of, tout axé autour de PUBG, puisque mon temps va être dépensé à 100% sur ce jeu pour me donner toutes les chances de percer dans l'e-sport si j'en ai l'opportunité. Voilà. Je vous remercie énormément encore une fois tous pour vos messages d'encouragement et de soutien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et présents sur les lives encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo en musique et je vous dis à plus en live. Ciao à tous. Ils sortent. Un knock, deux morts. Toujours dans la maison. Non, les deux sont morts. Mort. Pas bien. Derrière, derrière. On a gagné. Bien joué. Il est mort dans la zone. Il est mort dans la zone, GG. Eh, fais gaffe parce qu'il y a peut-être des mecs dans la maison. Mort. Bien joué. Bien joué. On peut aller les loot. Hein. Non. Il est derrière nous. Mort. Bien joué. Ça part en V. Il y a un arbre. Ah non, il est à l'arbre derrière. Ok, j'ai vu. Un knock. Un mort. Il push, il push. Il est passé derrière les rochers, il est contact à toi, juste au-dessus. Non, derrière aussi.
Deux mecs qui courent. Un mort. Un knock. Deux morts. Et ça se bat dans les maisons. Encore un mec là. Knock. Et on a nettoyé la zone. On prend la zone. Je me fais hit. Je sais pas d'où. Je me fais hit par un SKS. En bas, sud-est. On a la zone. Fais gaffe. Sud-est, il y avait des mecs. T'as tué le mec derrière ou pas au fait? Ouais. Ok. Ça court? Ça court où? Ouais, en effet, je le vois. Knock. Bien joué. Mort. Il a la zone. Oh, il a la zone. Il est derrière le bus, il est derrière le bus métallique. Il bouge, qu'est-ce qu'il fait? Mort. Mort, bien joué. Je l'ai eu dans la tête, tu l'as fini. Bien joué. GG. Bien joué à toi aussi. Ah, je vois un mec. Où ça? Derrière l'arbre en 330, mort direct. Bien joué. Ouais. Faut éliminer les mecs à gauche, éliminer les mecs à gauche, absolument. Je les vois, t'en vois deux. Un knock. Mort. Il y en a un autre qui est redescendu dans le contrebas, je lui ai mis une balle. Ok. Autre mec à l'arbre là-bas. Ok, mort. Son pote est mort en même temps. Il reste le mec en bas dans le contrebas. Et il reste une team de deux qui doit être de l'autre côté, je pense. Vas-y, faut qu'on avance dans le prochain contrebas au moins. Ouais, je me suis fait shoot par SKS tout à l'heure là. Et il me voyait bien, je pense. Ok, je le vois le mec. Mort. Mort à gauche. Putain, tu m'as bien volé le kill. Ouais, désolé. Non, t'inquiète, bien joué. Il fallait le faire proprement et rapidement. Mort. Ah non, c'est ton pote qui est mort. Mort, bien joué. Alors. Si, deux mecs qui courent en haut. Derrière un arbre, ils sont mis. Un knock. Position des arbres. Tout au nord, au sommet de la colline. Au sommet de la colline, il était le mec. Attends, son pote knock, il est où là? Mort. Ah bah j'ai eu les deux kills. Dacia en bas. Mort. La Dacia. Fais gaffe là. Ouais. Là c'est le contrebas qu'il faut clean. Et on avance dans la zone. Ah, contact. Ah non, ouais. Mort. Ah ok. Mort les deux. Ils étaient bien là, on prend leur rocher. Ouais. Je peux pas le shoot. Tu la knock? Ouais. Son pote, je le vois derrière l'autre arbre. Mort, gagné. Bien joué à toi aussi. Bouge pas. Merde. Voilà. Comme ça on a une cover d'une heure. Un knock. Son pote Valrez. On les push. Viens à deux, on le push. Mort les deux. Bien joué. Un knock. Mort. Bien joué. Il s'est pété la gueule.